L'Afrique du Sud connaît ses adversaires de poule pour la prochaine CAN U20 qui se tiendra en Zambie du 26 février au 12 mars. Les hommes de Thabo Senon croiseront dans la poule B le Cameroun détenteur d'une coupe, le Sénégal deuxième en 2015 et le Soudan. En Afrique du Sud, l'équipe nationale U20 a déjà entamé les préparatifs. Les joueurs prennent d'assaut les aires de jeu pour des exercices physiques sous le regard attentif du sélectionneur Thabo Senon. Nous allons affronter des équipes avec des styles de jeu différents. Pour cela, nous avons besoin d'une équipe forte sur le plan aérien qui pourra aussi rivaliser avec les équipes de l'Afrique de l'Ouest qui sont aussi bien épanouies dans les duels aériens qu'offensifs. Nous voulons former une équipe forte, rapide, spontanée dans les passes, réactive dans des combinaisons, défensive et présente dans des contre-attaques. Même si l'Afrique du Sud n'a jamais été sacrée dans cette compétition continentale, l'équipe est une habituée de ce rendez-vous du ballon rond africain. Quatrième en 2009, sa meilleure performance est une finale perdue en 1997. Durant les éliminatoires, les Sud-Africains n'ont encaissé aucun but. Ils ont éliminé la Namibie, puis le Lesotho. Aujourd'hui, le sélectionneur se concentre sur la performance physique de ses poulains pour bien commencer cette 20e édition qui se joue en Zambie. Nos joueurs vont devoir beaucoup donner sur le terrain de cette compétition en Zambie. Pour cela, ils doivent avoir un mental d'acier. Nous y travaillons et je pense que nous ne devrions pas avoir de difficultés à la fin de ce stage. Pour le sélectionneur de l'Afrique du Sud, les dés sont jetés pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 2017. 8 sélections nationales réparties en 2 poules s'affronteront en phase finale de cette compétition en Zambie.